L'éducation est devenue un tel enjeu pour l'avenir des enfants qu'il y a un désir fort de réussite de la part de l'ensemble des familles et une volonté partagée de l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs pour agir, tout particulièrement en direction des populations les plus fragiles. Ainsi, depuis quelques années, l'éducation est devenue une priorité dans l'action des villes et de l'État, qui coordonnent leurs efforts dans le cadre de différents dispositifs de la politique de la ville. La rénovation des écoles. À Saint-Pierre-des-Corps, Jouy-les-Tours et Tours, a été très récemment entreprise la rénovation lourde d'écoles situées en zone urbaine sensible. Ces opérations sur le bâti, qui ont pour objectif d'améliorer les conditions de fonctionnement de l'école mais aussi leur image, ont été conduites grâce au financement de l'Agence nationale de rénovation urbaine, de la région Centre et de la communauté d'agglomération. Par ailleurs, dans le cadre du contrat de ville, puis du contrat urbain de cohésion sociale et du programme de réussite éducative, de nombreuses actions visant à réduire les handicaps sociaux, économiques ou culturels des familles sont mises en place. L'objectif est d'améliorer l'égalité des chances en apportant aux familles des outils pour faciliter la réussite des enfants à l'école et leur épanouissement hors temps scolaire. L'accompagnement scolaire. Montre-moi le nu. Parmi les types d'actions conduites, un effort important est consacré à l'accompagnement scolaire. Dans les quatre villes sont organisées différentes formes de soutien scolaire. Celles-ci associent en général de l'aide aux devoirs, du soutien méthodologique et des activités d'éveil culturel. À l'école Claude Bernard, au Sanitas, ce sont 7 études réussites qui sont organisées chaque soir après la classe. Les enfants sont en petits groupes, encadrés par des enseignants, des étudiants ou des retraités. La ville de Tours et la Caisse des écoles en sont les organisateurs. Dans cette même école, de même qu'à Jouy-les-Tours, une action complémentaire concerne les enfants en cours préparatoire, appelés les clubs coup de pouce. Chaque club accueille 5 enfants et l'animateur organise à leur attention une séquence de lecture et des jeux visant à améliorer l'acquisition du langage. Les enfants les plus fragiles sont choisis par les enseignants. Ils parviennent en général, grâce à ce coup de pouce, à mieux acquérir les bases de la lecture. Et un. Ah, ça fait. D'autres actions d'accompagnement scolaire sont conduites par des associations. Elles s'adressent parfois aux collégiens. Par ailleurs, dans le cadre d'Ambition Réussite, des études encadrées par des enseignants sont organisées depuis un an au sein du Collège Pasteur. Les séquences de soutien scolaire, organisées par les villes ou des associations, sont généralement complétées par des activités culturelles ou sportives, afin d'apporter aux enfants des pratiques artistiques, culturelles ou d'épanouissement physique. Au Sanitas, les enfants participent en général chaque semaine à 3 séances d'études réussites et à un atelier. C'est Lilia, le cerveau de la pieuvre. Éveil culturel et travail sur la langue. Dans le cadre des programmes de réussite éducative dont bénéficient les quartiers en ZEP du Sanitas, de la Rabière, de la Rabatterie et de Niquebruère, cette ouverture sur la culture, les sciences et les activités sportives est étendue à d'autres temps que celui de la prise en charge après la classe. Ce peut être pendant la pause méridienne avec des animations organisées par la ville. Ou le
mercredi, comme à jouer les tours, avec un travail sur la langue mené par une association qui utilise un support ludique. Majeur. Le doigt qui arrache vers la tête. Sur quel doigt? Le pouce. Pour chacune de ces actions, les préoccupations des financeurs et organisateurs sont de rechercher à la fois une qualité de l'encadrement, des méthodes d'apprentissage ou d'initiation efficaces, loin de toute intention occupationnelle et une plus grande implication des parents. L'implication des parents. Tu mets de la viande, de la salade et des tomates dessus. La mise en confiance des parents passe souvent par des actions où ils sont associés avec leurs enfants. C'est le cas des ateliers parents-enfants à la ludothèque du Sanitas. Je veux jouer dehors. Voilà, c'est Julien qui a gagné. Bravo Julien. J'ai gagné Marie. Des groupes de parole entre parents, animés par des professionnels, sont également organisés pour traiter des difficultés parentales, faciliter les relations parents-enfants ou encore améliorer l'appréhension de l'institution scolaire par les adultes. L'internat de réussite éducative. Dernière initiative pour répondre à des situations où les familles ont besoin de passer le relais de manière plus importante pour permettre la réussite scolaire de leur enfant. L'ouverture d'un internat. Tours en a pris l'initiative en janvier 2007 dans le cadre du programme de réussite éducative. Cet internat accueille des élèves de CM2 et des collégiens des différents quartiers en ZEP de l'agglomération. Les enfants restent scolarisés dans leur établissement d'origine et sont accueillis le soir et le mercredi. Cette prise en charge permet aux enfants de mieux travailler et de s'épanouir. Incontestablement, les partenaires, États, collectivités, associations, se mobilisent de plus en plus aux côtés de l'école, car il est admis de tous que l'acte éducatif est loin de n'incomber qu'à l'institution scolaire.